mieux, hein. Exactement, en direct du consulat général de Marrakech d'Armoury, la célébration du 14 juillet. Tous les Français de Marrakech, ils assistent à cette cérémonie en attendant le discours du consul général et surtout de à l'honneur des invités très importants de cette cérémonie. Donc, voilà. Ça arriver l'estrade. L'estrade va avoir l'importance d'avoir le conseil général. On va passer un discours. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Monsieur le Pacha, représentant de Monsieur le Wali, messieurs les gouverneurs, Monsieur le Vice-président, représentant Monsieur le Président du Conseil Régional, Monsieur le Vice-président, représentant Madame la Présidente du Conseil Municipal de Marrakech, Colonel-Major, Commandant de la Place d'Armes, Colonel-Major, Commandant Régional de la Gendarmerie Royale, Mesdames et Messieurs les élus, Madame et Messieurs les conseillers des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des associations représentatives de la communauté française, Madame, Messieurs, chers compatriotes, c'est un immense plaisir et un honneur pour toute l'équipe du consulat et moi-même de vous accueillir dans les jardins de la Résidence de France à Marrakech pour célébrer la fête nationale. C'est un grand honneur pour moi, car c'est la première fois que j'organise un 14 juillet en tant que chef de poste, et je mesure chaque jour l'extraordinaire privilège d'avoir été nommé ici à Marrakech, dans cette ville à nul autre pareil, et le privilège d'habiter dans ce magnifique endroit, adossé à l'un des monuments les plus emblématiques de la ville de Marrakech. C'est aussi un grand plaisir de pouvoir organiser le 14 juillet ici, dans les jardins de la résidence d'Arnaud Léali, qui symbolise si bien l'amitié et l'histoire franco-marocaine à Marrakech. Le dernier 14 juillet organisé à la résidence l'avait été en 2012, et donc je suis très content de pouvoir renouer avec cette tradition. Le 14 juillet constitue pour les Françaises et les Français une journée de communion aux valeurs d'égalité, liberté, de fraternité, et à l'étranger, comme ici à Marrakech, un moment privilégié de partage, d'amitié et de rencontre. C'est un temps fort pour mettre à l'honneur notre communauté française, mais aussi nos hôtes marocains, qui nous accueillent avec tant de prévenance et de chaleur. Ce 14 juillet intervient cette année encore dans un contexte particulier, dans le domaine des relations franco-marocaines. L'année qui s'est écoulée n'a pas été aussi dense que nous l'aurions souhaité de part et d'autre. Les circonstances expliquent facilement cet état de fait. Les élections législatives et municipales en septembre dernier au Maroc ont focalisé les attentions sur les échéances intérieures. La fermeture des frontières du Royaume en raison de la reprise de la pandémie entre novembre 2021 et février 2022 ont rendu impossibles les déplacements. Et enfin, les élections en France, les présidentielles en avril et les législatives en juin, ont accaparé les responsables politiques français. Malgré ce contexte moins favorable, nous avons continué à développer et enrichir les relations entre nos deux pays dans la région de Marrakech-Chafi et dans les trois provinces du Sud, pour lequel le consulat est compétent. Je pense en premier lieu à la visite de la délégation de la région Hauts-de-France au mois de mai, conduite par son premier vice-président et accompagnée de proviseurs et de professeurs de lycée hôtelier. C'était une visite très importante pour nous. D'abord, c'était la première visite d'une délégation française depuis le début du Covid en mars 2020. Et c'était une visite aussi importante parce qu'elle prépare la coopération future
entre la région de Marrakech-Safi et la région des Hauts-de-France. Les discussions entre les deux régions ont permis d'identifier deux axes, la formation professionnelle et la mobilité des jeunes dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, les partenariats économiques en liaison avec le Centre Régional d'Investissement et la Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de Marrakech-Safi. Travaillons sur le projet d'un déplacement d'une délégation de la région Marrakech-Safi dans les Hauts-de-France en novembre 2022 pour finaliser la convention de coopération. Dans le domaine de l'éducation, Madame l'ambassadrice de France a inauguré en avril dernier la nouvelle alliance française de Ouarzazate, créée à l'initiative d'un comité local très dynamique et avec l'aide des autorités locales. Cette nouvelle alliance permettra de proposer des cours de français en priorité aux jeunes, mais aussi aux professionnels du tourisme et du cinéma, et participera ainsi au développement économique de la région. Cette nouvelle alliance vient conforter notre offre éducative et culturelle dans la région, avec l'Institut français de Marrakech, dont je salue le directeur Sylvain Troy, l'Institut français des Sawira et l'Alliance française de Safi. Toujours dans le domaine de l'éducation, je voudrais mentionner les travaux d'ampleur engagés à la fois à l'Institut français et au lycée Victor Hugo. Et je salue le proviseur Serge Faure, un proviseur heureux après les excellents résultats du bac 2022, 99% d'admis et 62% d'admis avec une mention très bien et bien. Toutes nos félicitations aux bacheliers et à l'équipe éducative qui les a accompagnés. L'objectif de ces travaux est d'améliorer les conditions d'enseignement et d'accueil des élèves et des apprenants de français. Il est également de continuer à augmenter les capacités d'accueil dans les établissements français pour les élèves français, mais aussi pour les élèves marocains. Dans cet esprit, nous travaillons également avec les autorités de Marrakech pour agrandir le groupe scolaire majorel à Tarbia et ainsi prolonger l'enseignement jusqu'au niveau lycée. Avec les autorités des Sawira, nous cherchons une solution de relocalisation à l'école française, de l'école française, qui a du mal à accueillir ses élèves dans ses locaux historiques devenus trop petits. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, la fête nationale est un moment privilégié pour célébrer la communauté française à l'étranger. Le Maroc accueille la plus forte communauté française installée au sud de la Méditerranée avec plus de 50 000 Français inscrits dans les 6 consulats. La présence française au Maroc et la présence marocaine en France sont une source de richesse irremplaçable et le socle des liens humains tissés entre nos deux pays. Avec 7500 Français inscrits au consulat, la communauté française de Marrakech reste stable malgré les 2 années de crise Covid. À cela s'ajoutent 4000, 5000 personnes non inscrites et les touristes français qui sont revenus massivement depuis février dernier à la grande joie de tous. Sur la base des chiffres des derniers mois, nous devrions atteindre 1 million de touristes français cette année, ce qui contribue grandement à l'économie de la ville et de la région. Comme la population de Marrakech, la communauté française a été fortement impactée par la crise Covid. En effet, une grande partie de la communauté active travaille dans le secteur du tourisme de façon directe ou indirecte. Et le consulat, c'est donc mobiliser tout au long de cette crise Covid. D'abord, pour aider au départ des Français de passage lors de la fermeture des frontières, mais aussi dans la durée, pour soutenir les Français résidents fragilisés par cette crise sans précédent. Malgré les aides versées, nous avons eu néanmoins des cas difficiles à gérer dans le domaine social et je voudrais remercier les 3 conseillers des Français de l'étranger pour leur aide et leur soutien constant au profit de la communauté française. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux associations françaises locales qui œuvrent bénévolement pour aider nos compatriotes démunis et qui sont ainsi complémentaires de l'action sociale du consulat. Je pense tout particulièrement à l'Association française de bienfaisance et à son président. Cette crise Covid n'est pas encore définitivement derrière nous, mais nous avons appris à vivre avec. Les touristes sont de retour à Marrakech, les festivals, les conférences internationales reprennent, l'économie repart à la grande satisfaction de tous.
Je sais que la communauté française participe activement à cette reprise de la vie économique, sociale et culturelle de la région et de la ville. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, je voudrais pour finir remercier chaleureusement tous ceux qui ont été à la réalisation de cette manifestation, la Wilaya, la mairie de Marrakech, la préfecture de police, dont la contribution est essentielle pour la sécurité et l'organisation. Je remercie sincèrement les entreprises qui ont soutenu généreusement l'organisation de ce 14 juillet, le S Saadi Marrakech Resort, le groupe Hivernage et la table du marché, Delight Events, les transports MENA, les hôtels Sofitel Marrakech, le Royal Mansour, The Oberoi Marrakech, le groupe City dans ses différentes composantes, ainsi que l'essence de Marrakech, les groupes Boissons du Maroc, Menara Holding, Crédit du Maroc, El Belgi Cocotte, Quartier Saada, les sociétés Textile Light, les domaines du Val d'Argan, Zaboul Fleur, Eric Ménia à Paris, les Maîtres du Pain, LMI 64 Aluminium, Viras, Yakut Service, Emrini Traiteur, G4S et la Chambre de Commerce, c'est la Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc. Je termine par celui qui va animer la soirée, par sa musique, Laurent Frémet. Je ne veux pas oublier, évidemment, l'équipe du consulat qui s'est mobilisée encore une fois pour ce rendez-vous annuel, pour que ce rendez-vous soit un moment de fête et un moment de joie partagée. Et je voudrais dire un grand merci en particulier à Maria, au consulat, et à Ridouane, à la résidence, pour leur invitation. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Vive la France, vive le Maroc, vive l'amitié franco-marocaine. Je vous invite à écouter les hymnes nationaux. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, cassons l'impur, abreuve nos sillons. Un bitter ahra, asriq al-anwar, منتدى السؤداد وحماه دمت منتدى وحماه عشت في الاوطان ذي العلا عنوان ملء كل جمال ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك في فمي وفي دمها وكتر الونار إخوتي هيا بالعلا سعيا ننشد الدنيا أنهنا نحيا بالشعر الله الوطن الملك. Bonne soirée à tous, j'espère que l'orage vous laissera profiter des buffets et des bars. Merci à tous, bonne soirée. Qui se déroule dans ce palais d'Armolé. À bientôt.